Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat avant mon Chai Ben Srik, Vatani Dvora Bat Esther, Roset, Zohar, Abad Sultana, Maurice Moshe Ben Sultana et Moshe Michal Ben Machla Rachel. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions à Sechet Yavamot Perek Ted Vav Mishnachet Ha'isha She'halcha Hi, ou Ba'la Limdinat Hayam, ou Vna Himaem. Ba'la Amra Met Ba'li, Vachakach Met Beni. נאמנת, מת בני ואחר כך מת בעלי, אינה נאמנת, וחוששים לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת. On a une série de trois Mishnah qu'on ouvre maintenant, où on va apporter des précisions sur le témoignage de la femme qui a cru sur elle-même, en précisant qu'elle a cru que sur elle-même, mais dès que ça va toucher à d'autres personnes, elle sera plus crue. D'abord, j'ai introduit le principe. Selon la Torah, la loi stricte initialement, pour pouvoir permettre une femme mariée, dire que maintenant elle peut se marier avec quelqu'un d'autre, il faut nécessairement deux témoins. D'accord? Il faut deux témoins. Donc, selon ce principe, en théorie, une femme qui va à l'étranger et qui revient et qui nous dit son mari, il est mort là-bas, on lui dit apporte deux témoins, et si tu n'apportes pas deux témoins, tu restes bloqué toute ta vie. Elle ne peut pas se marier avec personne d'autre. Chachamim ont décrété que malgré tout, on ne peut pas laisser une situation tellement bloquée, rude. Chachamim ont toléré de croire même deux choses. Soit la femme elle-même, sur elle-même, soit même de croire un seul témoin qui vient, qui nous raconte qu'il a vu que le mari est mort, même un témoin qui n'est pas cachère en général, ça peut être une femme, ça peut être un joueur de dés, ça peut même être un goy si le messiah Clefitumo, un goy qui parle sans... D'accord? Chachamim ont donné plusieurs dérogations comme ça. Soit la femme qui parle pour elle-même, soit pour un témoin qui vient. Maintenant, on va préciser maintenant un point très important, que Chachamim ont donné cette dérogation que pour une femme qui était mariée, que maintenant elle va vouloir partir se marier avec, être mutarat lachouk, comme on dit, permis au marché, c'est-à-dire permis à se marier avec n'importe qui. Mais elle ne va pas pouvoir, grâce à ce témoignage, par exemple, faire le hiboum avec son beau-frère, parce que son beau-frère va dire moi, qui c'est que mon frère, il est mort, et je peux pas, d'accord. On va préciser les cas, d'accord, plus précisément. En tout cas, je peux juste insister sur ça, que si Chachamim m'ont donné cette dérogation, c'est une dérogation que par rapport au fait que la femme, elle était bloquée avec un mari, que maintenant elle va vouloir se marier avec quelqu'un, avec un étranger, on va lui dire vas-y, tu peux te marier, si tu viens, tu affirmes que ton mari est mort, on te permet, tu te maries, on te permet. Mais on va pas pouvoir, grâce à ça, permettre d'autres personnes qui étaient interdites. À titre d'exemple, il y a un exemple là qui monte à la tête, je crois que c'est le troisième cas de Mishnah Yud sur ça, ou le deuxième, j'ai une tête, je sais plus. Par exemple, un homme n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs, même s'il divorce une, il n'a pas le droit de se marier avec la deuxième. Mais une fois que l'une décède, il a le droit de se marier avec la belle-sœur. Imaginez maintenant la femme qui va venir, qui va dire, ouais, son mari, on va dire plutôt, sa sœur, elle est morte, elle veut se marier avec son beau-frère. On ne va pas la croire. Parce que, d'accord, on croit que par rapport. C'est le principe. Alors maintenant, on va commencer avec un premier cas tout d'abord. Ça va y aller, il va y avoir trois cas, donc on commence avec le bleu. D'abord, ils vont bien être organisés. On commence. Aïcha Shalchahi ou Baala Lemidian Tayam. Ou Bna Yemaem. Une femme, elle était une femme mariée, un enfant. Ils sont partis tous les trois ensemble à l'étranger. Et ensuite, ou Baa, et après elle revient, elle toute seule. Et elle nous raconte que Met Baali ve'achar kach Met Beno. Tout d'abord, elle nous raconte qu'elle était partie pendant qu'ils étaient là-bas au Guatemala. Là-bas, son mari, il a commencé par mourir. Bon, d'accord. Et après quoi? Après son fils, il est mort. Elle revient maintenant, donc elle dit, permettez-moi de me remarier, à me remarier avec n'importe qui. Alors là, on va lui dire, écoute, il n'y a pas de problème, t'es cru. Némenet, elle est crue. Par contre, si elle nous dit que c'est le contraire qui s'est passé, que Met Beni, d'abord son fils est d'abord mort, Bacharkach Met Baali, après son mari il est mort, donc en l'occurrence, ça signifie qu'au moment où son mari est mort, elle n'avait plus d'enfant. Si elle n'avait plus d'enfant, elle va faire le hiboum. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle nous réclame, cette madame? De se marier avec le beau-frère. On met mieux la scène encore. On va prendre deux frères, qui avaient... Yaakov et Esav, pourquoi pas. Et Yaakov et Esav. Et maintenant, il y avait... j'aime pas ce nom, Esav, il ne me plaît pas. Là, venons, on va faire Reuven et Shimon.
Il avait deux frères, Reuven et Shimon. Reuven était marié à Rachel et qui avait un fils qui s'appelait Hanoch. Vous venez Reuven, Hanoch ou Valou. Donc elle avait un fils qui avait Hanoch. Maintenant, il y a donc à Reuven, Rachel, Hanoch vont à l'étranger. Rachel revient, elle nous dit, Hanoch il est mort quand ils étaient en route à Eretz. D'abord. Et 6 mois après, c'est son mari qui est mort. Il s'avère qu'au moment où Reuven meurt, Rachel n'a plus d'enfant. Si Rachel elle a plus d'enfant, au moment où son mari meurt, elle devra faire le hiboum. Parce que une femme, elle doit faire le hiboum, soit parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant, ou même si elle a eu des enfants mais qui sont morts ensuite, si elle n'a plus d'enfant au moment où son mari décède, elle doit faire le hiboum. Donc en fait, cette femme, quand elle vient, Rachel, quand elle vient nous dire en réalité, elle ne vient pas témoigner sur elle qu'elle est permise à se marier avec n'importe qui, elle vient dire, toi là, Shimon, fais-moi le hiboum, viens, on se marie ensemble. Là, elle est plus crue. On va plus pouvoir la croire. C'est-à-dire quoi quand on va pas la croire? On va dire non. On va te croire à moitié. Tu nous dis que son mari il est mort, que son fils il est mort avant son mari. Tu nous dis que en théorie donc tu peux pas te marier avec n'importe qui. On va demander à Shimon qu'il te fasse la Khalitsa. On va pas te permettre de faire le hiboum avec Shimon. Parce que Shimon, lui, il peut pas te croire à toi que ton mari il est mort. Ton témoignage, il fonctionne pour permettre la femme mariée qui va devenir maintenant permise à tout le monde. Mais pas à venir témoigner pour pouvoir permettre d'autres cas d'inceste, en l'occurrence le beau-frère. D'accord? Elle n'est pas crue dessus. C'est simple, c'est pas compliqué, d'accord? Et je refais ça dans les mots sur la deuxième partie. Elle nous dit Met béni, v'achakach met bali. Son fils est d'abord mort et après son mari est mort. Enanemenat, elle n'est pas crue. Bechoshechim lidvaria, et on va craindre son propos. Et donc, dans ce cas-là, on va lui dire quoi? Becholetzet velomitiabemet, elle va faire khalitsa et pas faire le hiboum. Pour plus de précision en réalité, comme ce qu'il nous dit le Barthénora, tout dépend de la chazaka. Vous connaissez le principe, c'est quoi une chazaka? Chazaka, c'est de manière générale. Toute situation, elle ne change de statut que si ça a été prouvé que ça a changé de statut. D'accord? Qu'à chaque fois qu'on doit, c'est fréquent dans la Torah, très largement, je pense que même aussi dans les tribunaux, j'imagine que ça va fonctionner avec le même principe, c'est une notion élémentaire de droit, que chaque fois qu'on a une situation, peut-être que ça a changé, peut-être que ça n'a pas changé. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on va supposer, c'est une supposition, en fait, on va supposer que les choses ne changent, les choses ne changent pas de statut, waouh, j'ai réussi, les choses ne changent pas de statut, jusqu'à que ça n'a pas été, qu'on n'a pas une certitude que ça a changé de statut. À titre d'exemple, je ne sais pas moi, quelque chose qui était pur. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'impur qui l'a touché. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans le doute, tu te dis que c'est pur. Quelque chose qui était impur, il s'est trempé dans un mikvé, mais on ne sait pas ce que le mikvé était caché ou pas caché. Est-ce qu'il s'est bien trompé ou pas trompé? Dans le doute, on considère qu'il est resté impur. Chaque chose, si tu veux changer le statut, il faut du vadaï, du certain. Et si ce n'est pas du certain, tu ne peux pas changer le statut. Dans le doute, on suppose que ça n'a pas changé. C'est le principe général. Maintenant, en réalité, on utilise, ça s'appelle une chazaka. On est mahzik les choses. On suppose que les choses, elles sont comme ça jusqu'à qu'on prouve il y a un terme exact, je l'ai pas en tête, quoi, dans la juridiction aussi, pour expliquer quoi, ce type de supposition. On pose que les choses, elles sont dans cet état jusqu'à la preuve du contraire, d'accord? C'est une chazaka. Maintenant, la femme qui est partie avec son mari et qu'elle avait un enfant, sa chazaka, elle, on suppose que jusqu'à la preuve du contraire, lorsqu'elle se retrouvera veuve, elle n'aura pas besoin de faire le hiboum. En l'occurrence, si elle vient de nous raconter effectivement que son mari est mort après son fils est mort, c'est exactement ce qu'on supposait, que son mari allait mourir avant son fils. Et donc forcément, elle ne devra jamais faire. Elle n'a pas de mizati boum qui lui traîne au-dessus de la tête. D'accord? Alors, à la différence du cas de la Seifa, ou au contraire, en théorie, elle est censée faire le hiboum. Elle vient de nous raconter qu'elle ne doit pas faire le hiboum. Oh, elle n'est pas crue là cette fois-ci pour nous casser la chazaka, qu'elle est censée faire le hiboum quand son mari meurt. D'accord? Et voilà. Donc elle n'est pas censée faire le hiboum, j'ai inversé la phrase, mais enfin, vous m'avez compris sûrement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une pleine de Hatzlacha Kol Tov Sarah.